Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, le bâton de la vérité. Voilà, j'ai fait le petit timer. Hop, alors je crois qu'il faut qu'on récupère tout ce qu'on n'avait pas récupéré dans le précédent parce que les sauvegardes sont bizarres. Voilà, c'est ça. Les sauvegardes de ce jeu sont assez bizarres. Hop, voilà. Ok. Et donc, j'ai fait les comptes parce que j'ai complètement zappé de faire un Astropol YouTube là. Donc dans la vidéo, j'ai fait les comptes. J'ai donc, je crois que c'est 6 pour les elfes en comptant. Alors, en fait, j'ai essayé de compter ceux qui s'abstiennent entre guillemets de donner un choix qui leur appartient. D'accord. Ceux qui par exemple qui me disent fais ce que tu veux ou fais comme tu le sens ou moi l'un ou l'autre peu importe. Ceux qui m'ont dit ça. The humans have raised banners around town claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. D'accord. Et donc Bref. Et donc, en comptant ceux qui sont pas prononcés sur leur choix, pour le camp où il y a le moins de postulants, entre guillemets, on va dire, de ceux qui ont choisi, on arrive à un total de 9 pour les Cartman et de 6 pour les Kyle, pardon. She has no soul. You want to go back to Shioger and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Okay. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melody. If I only had a flute. My Facebook says the Ranger might be selling one. You know where the Ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. D'accord. Plein de petites quêtes à récupérer. Ok, donc on va rester du côté de Cartman. Mais ok, là on est bon. On va fouiller un petit peu quand même la maison parce qu'on l'a pas encore fouillé, on n'a pas le droit d'entrer dans celle-ci. Ok. Nicolas, ah non, je me rappelle de choses que je ne devrais pas me rappeler, chers amis, mon dieu. Mon dieu. Ok, on monte. Ok, ici on trouve le slip. Ok. Le dernier. Ici, on retrouve plein de petits éléments qui nous rappellent la série, encore une fois. Une excellente série. Les guides du scoutisme juif, oh putain. Cyborg Bill, oh non. Je me rappelle, mais non. Oh là là, plein de souvenirs, c'est génial. C'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est tu te marres en fait, parce que tu te rappelles de tout un tas de choses. Les papillotes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. Oui, un classique. Mon corps change. Oh non, 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 non. Perruque barbare, effectivement. Ouais, ok. Et ça me semble être bon. Non, il reste encore ici. Clé du garage de Broflovski. Ok. C'est pas les documents d'adoption de Ike que j'ai vu, non? J'ai pas vu le nom. Ici, de l'acné, du tabac à chiquer. Le tabac à chiquer de Ike, exact. Exact, exact. Le kit de construction de Monsieur Anki, bah oui, parce que oui, forcément. Il est cassé ce truc. Ah oui, il était cassé, effectivement. Mais il était cassé avant que je tape dedans, je veux dire, il y avait une espèce de fissure, vous pouvez revérifier si vous le souhaitez. Ok, bon. C'est fait. Ici maintenant. Il y a un Shin Pokémon déjà ici. Hop, Shin Pokémon. Petit aimant. Et reflaquette de Kyle. Ok. Ça, c'est fait. Bon. Alors, on a plein de choses à faire, du coup, maintenant. On a plein de quêtes secondaires. Chasse au gros gibier. Retournons voir Jimbo. Utiliser la bouteille d'alcool dénaturée pour tuer la bactérie mutante. Utiliser un plat de poutine pour débusquer et vaincre l'araignée japonaise canadienne dans les cavernes foutantes.
Cache-cache, fouillez la ville à la recherche des élèves de maternelle cachés. Venez à bout de l'homme ours peur. Les élèves de maternelle, je me rappelle plus trop où est-ce qu'ils sont, le dernier, où est-ce qu'il est le dernier en tout cas. Empêcher l'enfant de se aller près de l'église. Ah bah écoutez, c'est là qu'on va. On va aller près de l'église. Alors où est-ce qu'est le point de téléportation le plus proche? Ah, ça risque d'être compliqué. Ouais, il nous en manque un ici. Yo. Bonjour. Voilà, bouffe. Tu peux pas me parler? T'es sûr que tu veux pas me parler? Bah écoutez, on va se téléporter comme ça. Hop. Attends, les trésors, y'a pas justement le... Équipement, teinture, Shin Pokémon. Y'a pas justement enfant marqué quelque part. Shin Pokémon. Ok, équipement. Bon bah apparemment c'est pas marqué comme ça, hein. Non, apparemment ce n'est pas marqué comme ça. Quête. Non. Ici non plus. Détruisez la bannière. Non. Oh merde, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Bon bah du coup on est revenu à la case départ. Merci le jeu. Ah, peut-être qu'il est là-dedans le gamin, remarque. Oh ça m'étonne. On l'aurait vu, je pense. Je pense qu'on l'aurait vu. Je sais plus du tout où il est ce gamin par contre. Oh là là, le dernier gamin. En plus avec le petit laps de temps dans lequel j'ai pas tourné, vous allez avoir des commandes. Des Overwatch, pardon, excusez-moi, je regardais le montage de No Man's Sky. Comme c'est des gros fichiers, j'ai pas envie de les recommencer. Là je ne peux pas passer. Ok. Là, j'aurais pu me rendre directement en téléportation, mais non. De toute façon, je crois qu'il y a un petit passage justement de téléportation ici. Voilà. Et donc, on va pouvoir aller à l'église normalement. Hop, parce qu'il y a une quête à l'église. Voilà. Hop. Bon. Allons-y. Apparemment, l'homme mour sport. Alors, est-ce qu'il est dans l'église ou est-ce qu'il y a une bannière ici? Hop. Tiens, bouffe. Est-ce qu'il m'a frappé ou est-ce que je l'ai frappé? Oh mon dieu. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, accord de puissance. Si tu le dis, et on a quoi sinon? Tout en fortifiant votre groupe, ça peut être sympa. Allons-y. Non, attendez, y'a quoi là? J'ai pas de... Bon bah écoute, on va tenter. Ouh. D'accord. Swallow. C'est... The maiden from Stoneberry who is also your mom. Ah le con. Ah oh, c'est épique à écouter. Ok. Je l'ai paré. Ah, l'arme qu'il faut du coup. Ouch. Oh. La vache, non c'est pas l'arme qu'il faut. Faites un clic droit lorsque l'arbalète de Jimmy clignote. Boum. C'est tout ce que ça fait. Oh merde. Il faudrait que je soigne Jimmy. Mais je sais pas si ça va être véritablement utile. Hop. Allons-y. De ce côté-là, nous on a bombe puante, jette des œufs pourris sur votre cible pendant la rendant écœurée et autant les effets de statut bénéfiques. Lance davantage d'œufs en cas d'exécution parfaite, d'accord. Qui perfore les armures et emboutisse les boucliers, parfait. Appuyez sur Z pour sauter puis pilonner le bouton gauche de la souris pour canarder. Boum. Faudra que je le refasse au prochain tour. Accord de puissance. Voilà.
Ok, on va essayer la berceuse. Appuyez sur les touches indiquées. Oh putain. Close your eyes, no more thinking about future troubles. Sleep now with Jesus. For you are ok. Est-ce qu'il y avait du parfait ou n'importe quoi, non? Je sais pas. Raté. Continue à saigner, en plus c'est cool. Je vais la retenter. Faut qu'on puisse boucler son armure. Hop. Boum. Voilà. On recharge nos pp. Pipi. Bref. Ok. On peut plus retenter celle-ci. On va tenter une petite frappe classique. Hop. Boum. Saisie de casque. Et récupère un casque. Oh non. Non, il se régène. Enfin, il augmente sa puissance de... D'accord. Il s'est soigné ou c'est moi? Et il a plus de saignement. Voilà qui sera bien mieux maintenant que tu as les saignements à nouveau. Hop, nous on va se refaire un petit coup de régène. Voilà. On va utiliser ça. C'est parti. Swallow. Ah, j'en ai chié. C'est crevant de le faire. Et il a eu notre ami. Le sac, il l'a eu. Allez. C'est parti. Boum. Normalement. Oh la vache. Tellement de dégâts là-dedans. Oui, on l'a eu. Oh, dis donc. Eh ben, c'était dur comme combat. On en a chié, chers amis. Griffes de Morspore. Badge Purple Heart. Purple... Oh non, 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 non. Oh là là. Oh non. Je suis désolé, ça me fait rire parce que voilà, je me rappelle. T'as pas lui dire à ma copine? Non. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Niveau des quêtes, champ magique. Ah oui, la ferme. Est-ce qu'il y a un point de TP au niveau de la ferme ou pas du tout? Je me rappelle plus. Non. Non, 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 eh bien écoutez, on y va. Hop. Crac. Ça m'inquiète un petit peu, ces montages très très longs, j'aime pas du tout ça, quand c'est trop long, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a un problème en fait, simplement. Donc ça m'inquiète, mais bon. No soucis. Alors le ranch. Oh boy, the cattle ranch, we're here. Excuse us, hello. Hey, get off my ranch. Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. You want to buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard, and a flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Là, ça va être très très long. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Bon, je le passe. Je peux pas le passer. Hein. Je peux toujours pas le passer. Il arrive pas. Ça y est, il a réussi. GG à lui. À bout d'un moment, je rigole plus parce que c'est un peu limite quand même comme blague.
I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us. All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Ok, c'est parti, les amis. On avait cherché la clé dans un des précédents épisodes. Maintenant. All right, cows. It's time to stop misbehaving. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un bug au niveau de la fenêtre. Looks like we got a fight on our hands. Bizarre. On va en chier, je pense. Immunisé ? Contre quoi ? Ok. Ça attaque qui en fait ? Ça attaque tout le monde ? Hop. C'est pas la même chose à chaque fois, c'est cool. Hop les, succès. Dormez, bande de vaches. Ah, ça ne les réveille pas, cool. Bon à savoir. La martel un ennemi. Votre cible. Ça me fait rigoler. Hop les. Vous allez saigner. Ok. Watch and be amazed. There once was a maiden from Vas-y. Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Boy did she swallow. I had a nice lance that she said. Hop, là, c'est bon. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Ça va, ça les choque pas plus que ça en fait. Bon, y en a un qui a l'air vénère là. Ah la vache. Vache! J'ai réussi à l'apparer. J'ai réussi à l'apparer aussi, parfait. Nous les avons eus. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Bottes lustrées. Brassard. Des jolis brassards, empêche. Non, faut pas dire ça. Même si c'est un symbole de chance dans certains pays et que nous on est stigmatisés en France, faut pas dire ça. Pas bien de dire ce genre de bêtises, Marcus. Pas péter le carreau, dommage. J'aimerais bien aller chercher la boîte derrière, moi. Hop. Cri du dragon, c'était quoi? C'était pas cul? Non, ça c'est la sonde. G. Ah, c'était G. Et boum. La flûte. Par contre, moi j'aimerais bien quand même essayer de passer là. Pas ça. Et d'accord, il y a bien un truc ici. Ou alors sinon c'est parce que je peux pas encore le passer, il faudrait que je passe en dessous là. Peut-être. Peut-être. Bon, pourquoi pas. On l'a eu au moins la flûte. Ok. Yo. Hey, you did it. You elves are pretty all right. Did you find the flute? I sure did, Rancher Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before. Oh putain. Well, you earned it. See you around. Thanks, new kid. I couldn't have done it without you. Where should we go next? Ok, ça c'est fait. On va se rentrer. On va chercher le bébé. Et l'endroit le plus compliqué, il me semble qu'on en avait vu un, ou je sais plus trop quoi, on n'avait pas un truc qu'on devait chercher dans le centre-ville. Parce qu'il me semble que c'est ça, avec les magasins qui vont être le plus compliqué finalement. On va le prendre d'un bout à l'autre. Il nous faut ce gamin, ce dernier gamin. Ce sera fait. Faut que je passe par là. Hop. Ou alors il est dans le... Oui, c'est moi qui me fais plein d'amis. Oui, c'est moi. Je suis quelqu'un de très charismatique, je parle pas. Ah, je peux pas. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Non, c'est bon. Quand on voit les photos qu'il y a avec les gamins, non, ça ira, je te remercie.
On l'avait fait ce truc là, je m'en rappelle plus. Hop, apparemment non. Maintenant c'est fait. Oh, il y a quelqu'un ici. Douglas. Ok. Boum. Hey Big Nose, you should consider having some work done. That's so great. Okay, later. Hop, ok. Là j'imagine que je peux pas rentrer, il n'y a pas de truc en or. Unplanned Parenthood. Peut-être qu'il est là-dedans. Peut-être qu'il y a un gamin là-dedans. Ça bouge pas pour l'instant. Peut-être là-dedans. Non, je peux pas passer. Elle me répond toujours la même chose, donc ça a pas l'air d'être là-dedans. Je pense que ça va être dans cette zone, hein, mais je suis pas sûr. Après, ça peut peut-être être dans les maisons des personnages principaux. Ça m'étonne qu'ils s'y planquent. Là, je suis déjà allé, on peut voir qu'il y a le loot qui est resté sur place, à la place des cadavres. Oh putain, regardez là. Putain. Oui, ça y est, non. Si, t'es bon. Wouh, le dernier. Je me disais qu'il était par là parce qu'on l'a pas trop fouillé l'endroit. Il y a un trou ici. Yo. Est-ce que tu veux bien me parler? Non. Bah écoute, salut alors. Alors ça c'est fait. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste comme quête, finalement? Chasse au gros gibier, utiliser la bouteille d'alcool dénaturée pour attirer la bactérie mutante. Utiliser un plat de poutine pour débusquer et vaincre l'araignée qui est dégradée, d'accord. Cache-cache, c'est bon. Et les différentes bannières, exact, les différentes bannières. La carte. La carte, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça c'est cache-cache, détruisez la bannière humaine. D'accord, donc ça n'a pas l'air d'être là. Rendez-vous à la résidence des marches, d'accord. Bannière humaine. Utilise une bouteille d'alcool dénaturée pour tuer... Mais je l'ai pas vu ce truc-là. Apparemment, je l'ai pas trouvé ce truc-là, mais peut-être que je peux pas aller encore dans la pièce. Bon, on va commencer par l'ogresse, hein. On va pas s'embêter. Ou alors on passe par le parc, peut-être. Est-ce qu'on peut passer par le parc de là? Je ne sais plus. Hello, du tout. Salut! Ah, j'ai hâte de jouer au prochain, j'ai vu des vidéos de gameplay. Et honnêtement, ça donne envie, hein. Ça donne véritablement envie. Oui, le parc, il est là, donc on pourra faire d'une pierre deux coups. Lors de notre déplacement. Yo, les kids! Wouah, tout ça pour ça. Ah oui, plein de gamins, par contre, du coup, oui. Attendez, je bois un coup, moi j'ai chaud. Et maintenant, j'y vais par bouteille d'un litre 5, moi, c'est une violence. Hop, voilà. Faut dire qu'il fait atrocement chaud en ce moment. Je suis con, je l'avais pas vu ici. Si, normalement. Hop, voilà. Hop, une de plus. Là, je vois rien. La maison de Stan. Ça, c'est la maison de Kyle. Ça doit être la maison de Stan, ça, non? Je me trompe ou... Je ne sais plus du tout. Cette touche-là, plutôt. Hop, d'accord. Ça doit être ça, donc. Hop! Ouais, c'est ça, je reconnais les murs à l'intérieur. Tim, il peut vous emmener partout. De tout drapeau de voyage accéléré en un rien de temps. Oui, bien sûr. Bon, l'ogresse, la grande sœur. Dites-moi qu'on va... Non, si je veux l'affronter, il me faut... le petit frère. Je veux dire le pote. C'est parti. Down on that side is where my parents sleep, and across from that is the cave of the She-Ogre. She-Ogre, c'est comme She-Hulk. Give me back my iPhone, demon! You little turd! I've brought help! Let's see you try and take us both! Ah, c'est épique. Your days are numbered, She-Ogre. Bon, t'as combien de PV? Oh la vache! Hop, bon, ça c'est fait. Condamné en un ou deux mots. Red Rocket. Défense réduite, cool. J'imagine que c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Stan projette un disque mortel vers la cible. Le disque peut rebondir sur les cibles aléatoires. Stan exécute une attaque rotatoire à l'épée qui frappe plusieurs adversaires. Donc c'est un multi-cible. Donc ça m'intéresse pas. Faites un clic gauche lorsque vous voyez le clignotement.
Ah la vache, j'ai trop anticipé. J'ai trop anticipé et je l'ai payé littéralement. Potion de santé grande. Elle est vénère. Vous avez vu? Si on peut essayer de l'assommer. Hop. Can I just take my turn? Hop, figurine de Philippe. C'est pas ce que j'ai réussi à... Mais c'est marrant, ça a changé ce truc là ou quoi? Bon, ça me semblait différent. Ici, bim. Faut l'affaiblir encore. Voilà. On va quand même essayer une des techniques. Pilonnez Q et D. Faites un clic gauche lorsque vous voyez cliquement. Boum. Non, ça fait qu'une seule touche. La mort écarlate. La vache, elle a réussi à me frapper. Deux fois. Ah, la vache. Ça fait mal. Ça fait atrocement mal. Et elle est toujours pas morte. Hein. Hop. Boum. 2000. Ça c'est fait. Va réduire son armure. À nouveau. Boum, ça c'est fait. Du coup, je peux utiliser ça. D'accord. Oh bah merde. Quoi? Ok, c'est très bizarre. Je crois que j'ai loupé ma technique. Je vais me soigner un petit coup par contre. Je vais me soigner un petit coup avec une... Y'a pas des moyennes? Petite potion de santé alors. Voilà. Je peux tirer un petit peu de magie peut-être. Ok, c'est parti. Maintenez le bouton droit de la souris enfoncée jusqu'à ce que vous voyez les gaz, puis faites et clic gauche. Bam. Parfait. Dommage, c'est pas marqué parfait. Bizarre. Crac, crac. Elle est solide, hein, n'empêche. Hein. Hop, on y va. Boum, 500. Ah la vache. Elle fait tellement mal. Et on va l'achever avec un gros coup de... de tuyau. Boum, 1500 le coup de tuyau. On est vraiment balèze, effectivement. Take my iPhone again, and I shall bring justice swifter yet. Get out of my room, turd! I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Ah, t'es adorable. Aptitude déverrouillée. Bon, je te le dis. Allons voir ça. Ah, c'est celle-là qu'il faudrait que je débloque. Je crois que je l'ai débloqué du coup là maintenant. J'ai 4 points à mettre. Petit feu. Chaque ennemi touché voit à présent son attaque réduite. Réduit le compétence de cette aptitude. Chaque attaque réussie rétablit maintenant des PD. D'accord, ok. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Ici, on a des points à mettre. Chaque fois que vous exécutez une attaque magique avec votre arme, vous recouvrez des PP. Chaque fois que vous exécutez une attaque magique avec votre arme, vous recouvrez des PP. Oui, pardon. D'accord. On va mettre ça. On va mettre ça pour la résistance. Et ça aussi. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Bon. On s'en sort pas trop trop mal. Du coup, ici au niveau armement, est-ce qu'on a des choses un peu plus intéressantes à ce niveau? Non, il nous faudrait atteindre le niveau 11. On a toute la tenue gothique, donc ça c'est pas trop trop mal, on va dire. Quête. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Chasse au gros gibier et égalité pour tous. Ah oui, toutes les bannières. Les bannières, peut-être qu'on peut les faire. On va essayer de faire les bannières. Hop. Crac. On a détruit celle-ci déjà. Il va y avoir celle-là qui sera sans doute à côté de la maison de Monsieur Esclave. D'après ce que j'ai lu. Là, effectivement.
Ok, ça c'est fait. La suite. On doit reprendre un point de téléportation pour nous téléporter. Pour nous téléporter ici. D'accord. Puis ici, puis ici. D'accord. Vendu. Vendu, vendu. Point de téléportation, je sais pas s'il y en a un là. Si, il va y en avoir un juste ici. Ça, c'est bon. Hop. Et donc, normalement, en me déplaçant un peu par là, encore un peu, on devrait pouvoir en trouver une ici. D'accord. Timmy! Hop. Juste ici. Parfait. Ça, c'est fait. Faut que je regarde dans les quêtes. Il me reste donc détruire la bannière de l'étang. Juste la bannière de l'étang. Je fais donc bien. Hop, d'aller ici. Hop. Le Moursport qui est en cadavre là-bas. Hop, et celle-ci. Et donc maintenant, retournez voir Dogpoo. D'accord. On y va. On va donc y aller directement via le TP normalement du point. Qui est ici, voilà. Hop, ça c'est fait et on est plutôt bon. On est plutôt bon. Dogpoo, c'est détruit. Hop. Dragonborn. Cool, on a un ami en plus du coup. Ça c'est fait. Pour le reste. Peut-être une petite sauvegarde, ça pourrait ne pas être trop mal. Hop. Et je pense, chers amis, du coup, qu'on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Encore une fois, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me commenter la hype que vous avez pour le prochain... j'allais dire le prochain épisode. Mais oui, le prochain épisode du jeu, entre guillemets, littéralement. C'est-à-dire le 2, en fait. South Park, l'anal du destin, très précisément. Si vous avez vu des vidéos, je vous invite, en tout cas, si vous ne les avez pas vues, à aller les voir. Si vous avez vu des vidéos, dites-moi quel pouvoir vous intéresserait pour cette nouvelle aventure. Moi, de toute façon, je verrai celui qui m'intéresse le plus. Mais je prendrai quand même en considération vos choix pour au moins vous expliquer les différents pouvoirs et pourquoi je choisis celui-ci. Encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus. Dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.